Bon. C'est la neige, les amis. Quel temps de merde. Bon. Bah, vous me voyez pas là? Ah, pourquoi ça merde comme ça encore? C'est pas possible ça. Comment on fait? Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. Et voilà, apparition. Eh oui, la montre de l'homme invisible. Enfin, pas comme ça. Ah, le vendeur qui me l'a vendu, il m'a dit qu'il y aurait peut-être un bug dans la matrice. Hein. Bah, c'est pas si bien dire, hein. Ça c'est sûr. Hein. Bien un bug. Hein. Attendez, je recherche le bouton. Ça y est, vous me voyez? Ah, nickel. Bon, ça fonctionne. Oui, il y a quelques semaines, j'étais dans un géchiné dans un vide-grenier. J'ai trouvé une montre. Le vendeur qui me l'a vendue m'a dit c'est comme le nouvel homme invisible en 76. Ben Murphy s'appelait. Vous appuyez sur un bouton, tit, ça disparaît. Des fois ça fonctionne, des fois ça marche pas. Voilà. Comme dirait Garcimore. Pas l'ancien homme invisible. Hein. Non, non, l'ancien invisible, l'homme invisible, il était avec une. Comme à la Fantomas, avec un masque là. Vous enleviez. Se faisait chier celui-là. Ouais. Non, non, avec la montre, c'est plus sympa. Ça va plus vite. Hello les amis. Bon, on commence. Donc la vidéo que je vais vous passer. Eh, hey, on arrive bientôt aux 100 abonnés. Hein. Ah oui. Mine de rien. Hein. Ah. D'ailleurs, à propos de ça, j'ai remarqué quelque chose sur YouTube. Je suis comme vous abonné à plusieurs chaînes concernant le camping-car. Et j'ai posé une question à un YouTuber, justement, qui fait des vidéos un peu plus techniques. D'ailleurs, il les fait bien, d'ailleurs. Hein. Il fait des bonnes vidéos. Un peu plus techniques. Et il y en avait une qui m'intéressait sur le changement de l'autoradio du camping-car. Donc moi, il a comme moi un Ford Transit. Pareil, boîte auto, 170 chevaux, je suppose. Mais exactement le même tableau de bord. Pareil, même autoradio. Donc je vais poser, parce que l'autoradio, la musique, oh là là, catastrophe, hein. Dans ce camping-car. Ah ouais. Alors je sais pas si c'est le haut-parleur qu'il faut changer ou l'autoradio. J'ai l'impression d'être il y a quelques dans les années ouais, 70 on achetait des autoradios Tokai, la marque Toy, japonais là. Il marchait pas bien. Non, non, celui-là n'est pas terrible. Donc, je pose ma question en lui demandant si effectivement, quand il a changé l'autoradio pour remettre un autoradio Android avec un système qui vient se clipser d'origine sur le tableau de bord là pour encastrer l'autoradio, si ça changeait le son, tout ça. Bon, m'a pas répondu. Ok, pourquoi pas, hein? Moi j'essaye de répondre à tous mes abonnés quand ils me posent des questions, parce que pour le moment je m'en sors pas trop mal. Je sais pas non plus, je peux vous répondre à tous. Hein. Et il m'a pas répondu. Ok, au bout de un mois, je retourne sur le voir un petit peu là, ce qu'il en était. Ah, j'ai même plus vu la question. Supprimer la question que je lui avais fait. Donc je regarde sur ses vidéos parce qu'il en avait fait plusieurs sur l'autoradio. Il en avait fait une première partie et une deuxième partie. Bon, bah en fait j'ai été supprimé. Ah, je me suis posé la question pourquoi. Pas fait de mal, hein. Mais si. Il y en a certains qui font la course aux abonnés, comme on appelle ça. Alors que moi, pas du tout. Hein. En aucun cas, j'ai parlé de quoi que ce soit à la fin de mes vidéos en disant abonnez-vous, pouce bleu. Voilà. Non, non. Faites comme vous voulez. Donc, il y en a qui font la course aux abonnés. Et parce que. Alors là, je vais lui dire tout de suite. Hein. T'inquiète pas, je ne vais pas te faire d'ombre. Hein. Moi, je suis juste là. En mode touriste. Non, non, je vais pas te faire d'ombre. T'inquiète pas. Si tu veux des abonnés, pas de problème. Hein. Moi,
Je vais pas marcher sur tes plates-bandes. Hein. Eh ben, ils suppriment la question pour pas que d'autres youtubeurs, eh ben, ils font leur rapprochement entre la question que tu as posée, parce qu'il y a mon nom dessus, hein, Camping Happy Family Travel. Pour pas que ça lui ça donne d'autres abonnés à d'autres youtubeurs. Voilà. Ben, c'est mon point de vue, hein, je pense que c'est ça. Voilà. Bon, tant pis. Donc, la vidéo que je vais vous passer, j'ai pas été la chercher bien loin. Hein. J'ai été la chercher dans ma région, en Alsace, au Rhin 68, du côté de région de Colmar. C'est là où il y a les plus beaux villages d'Alsace. Enfin, parmi les plus beaux villages d'Alsace, hein, vous avez Rickvir, Eggisheim, Turckheim, il y a Kazesberg. Bon, j'ai pas tout fait, mais dans le coin là, c'est pas mal. Chaque région, que ce soit Bas-Rhin ou Haut-Rhin, du côté de Strasbourg, voilà, ils ont aussi des beaux villages au Bas-Rhin. Haut-Rhin, côté Colmar, pas mal touristique. Côté Mulhouse, c'est plus côté Sungo, les fermes alsaciennes, les grandes fermes alsaciennes. C'est plutôt l'agriculture. Voilà quoi. Donc, bah, je vais vous laisser regarder la vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. Bon visionnage. Ciao. Alors, ah, c'est la montre. Attention. Vous voyez plus ? Nickel. L'Alsace, c'est un des pays où il y a plus de châteaux. Oh bah oui. L'une des régions où il y a plus de châteaux. Ah ouais. En ruine, quoi. Ouais, mais ouais, parce que. Attendez. Putain, elle a de la chance. Ouais, elle est bête, hein. Parce que j'ai pas envie de la péter, ça. Ah ouais, c'est ça. Oh,
I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume.